Bon, ça va. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Vous êtes vraiment nombreux ce soir. Il y a eu plein de subs. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous avez aimé le contenu et tout. C'est con à dire, mais c'est important pour moi et tout d'avoir des follow et tout. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir. Hein. Tous les soirs, quasiment, je stream. Demain, je pense que je vais stream après TFT, pareil. Donc bon. Jeu de fou, Victoria 3, mais il faut charbonner pour comprendre. En vrai, ouais. Ouais, un peu, ouais. Non, en vrai, faut pas... En fait, ça dépend déjà, c'est quoi ton niveau d'économie et de compréhension globale du monde. Parce que tu vois, et déjà, est-ce que t'as déjà joué à des Total War ou des jeux un peu comme ça? Bon alors, Rel. Rel, en gros, c'est un champion où t'es full tanky, frérot. Le champion est... je pense que c'est le champion le plus fort à l'heure actuelle en team. Mais en solo queue, c'est un peu pas weak, mais bah tu dépends de tes mates. Donc en gros, t'as le Q où t'envoies ta lance, tu stun le gars et tu fais des dégâts. Si tu rates ton Q, t'as plus vie, plus la merde. Ton Z, ça dépend si t'es en forme de cheval ou pas. Donc là, en gros, quand t'es en forme de cheval, tu vas entre guillemets un peu jump et CC. Regardez, hop. Tu vois, tu fais ça et ça engage. Quand t'es en forme d'humain, tu passes un peu derrière le gars et ça fait une sorte de singed quoi. Tu vois, là, typiquement, ça fait comme ça. Et le E, ça te permet de booster et d'aller un peu plus vite. Okay, nice. Là, je remonte sur mon cheval. T'as manqué un poil de cul. Oh my bad, j'aurais peut-être pu mieux jouer. Oh. J'ai rigolé comme un golemon. Ouais, ouais. Ah my bad, j'aurais peut-être pu mieux jouer. Nickel, nickel, nickel. Trust is a luxury no one can afford. Bon, encore une fois, je suis pas un expert, hein, donc je rate des trucs avec Marel. Après, le champion est assez simple à jouer quand même, mais... Reset. Alors, je sais plus c'est quoi les stuff sur Rel. Merde, j'ai oublié. Ah oui, faut faire ça. Pour avoir un bon client. Ok. Voilà, on va faire ce camp et on va contester ça et on est bien. Je suis mort de fatigue. Ouais, ouais. Après, c'est marrant de jouer Rel. En vrai, le champion est assez simple à jouer. Et bon, après, ce qui est chiant avec Rel, c'est que c'est un champion plutôt teamfight quoi.
Sérieusement? Putain, mais j'en ai marre! Ils sont tous un HP, frère. Ouais, j'ai peut-être raté des trucs là, les gars. Okay, bien joué. On va pas se mentir, on a peut-être raté des skills, quoi. Ah. Ouais. Bon, mon mid est un peu nul. Je voudrais bien avoir mon level 6. Ouais, y a une petite mid, une petite diff mid. Hein. Ok, nice. Oh, sérieusement? Ouais, ça fait deux fois il s'en sort avec un HP l'autre con là. Se casse les couilles aussi, il faut mourir au bout d'un moment. Bon, dommage. Voilà, pour l'instant, il y a un jungle gap, mais c'est pas assez. Est-ce que ça change quelque chose, mon E, que je sois en forme de cheval ou d'humain? Ah, c'est dommage que l'autre il tape pas. Ouais,
Non mais ils veulent pas mourir frère. Mais je suis seul. Ah dommage. Ah ils veulent pas mourir hein. Après c'est un peu le problème avec Rell, c'est que tu dépends de tes mates et nice. The Black Rose may have done this to me, but Noxus knew. Pardon. Ouais, on n'est pas aidé non plus de mes mates, hein. En fait, ce qui est chiant avec Rell, c'est que tu fais pas de dégâts. Et si tes mates ils sont nuls, ils font pas de dégâts, bah t'es là en mode bah je fais un milliard de dégâts et tu ne sers à rien, frérot. Ouais, faut que je joue autour de ma bot lane. Mais ouais, Rell, il y a un petit manque de dégâts quoi. Ah mais il tape Ramus le coup, il tape Ramus. Ramus il est full armure, lui il est à Daisy. Je vais taper Ramus. Free tips. Ah voilà, le problème c'est que mon mid est nul hein. Mais je crois que j'ai joué hier avec lui, il était aussi mid. Il était aussi nul pardon. Voilà, il faut que je joue autour de ma bot lane. En vrai mon mid n'est pas humain et bon normal. Ah il faut que je joue autour de... Bah votre lane est bon, bon mon top je sais pas ce qu'il m'a fait tout à l'heure mais
Ah, le problème, c'est que je joue contre un fils qui turbo smurf et... Enfin, je veux pas être méchant, mais moi, mon mid pue la merde, quoi. Il y a un léger, mais un léger gap en termes de mid lane. Hein. Mon mid est nul, hein, vraiment. Bon, on va faire ça. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Et c'est vrai que c'est ça qui est chiant, c'est que tu vois par exemple jouer Rell où je sais que j'ai une team qui est pas dégueu, ça me gêne pas. Jouer Rell en solo queue à bas niveau où je sais que les gens sont des déchets, tu sais, t'es là, tu fais 1 milliard de CC, top des setups de zinzin, les gens ils focus Rammus, t'es là en mode bah c'est chiant. Et c'est un peu ça le problème que j'ai à jouer des champions comme Maokai ou comme Rell, c'est que c'est trop dépendant de tes mates et enfin en solo queue. Tu vois que mes mates ils sont nuls à chier, genre. Et du coup, c'est ultra tiltant et c'est ultra frustrant de jouer un tank engage en solo queue à bas niveau. Enfin, là on est en D2, mais ça reste quand même du bas niveau où les gars. Bah, ils sont nuls quoi. Le Malphite il fuit, frère. Le Malphite il est mid life, frère. Il se dit eh, je vais quand même me barrer. Hein. Au cas où, je vais me barrer, les gars, parce que je suis mid life. Je suis full tanky, non je sens pas cette histoire. Mais là mon but c'est que j'ai assez suffisamment assez de game pour que je comprenne le champion et que je puisse le jouer en team quoi. Là je pense qu'en vrai au bout de 2-3 games le champion est pas très compliqué quoi. Après je pense qu'il y a plein de petites subtilités, surtout avec l'ulti où je suis pas encore full à l'aise. Mais je pense que ça va. Bienvenue dans l'esprit du support quand tu joues des persos CC enchanteur. Ouais ouais bah clairement ouais. C'est vrai que tu dépends de ta team. Bon on va jouer autour de notre TF qui est feed et qui est bien. Qui m'a l'air d'être un peu ouais je vais pas dire le seul humain mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est AFK? On va prendre un peu la vision. On va déward.
Ah, j'ai fait le taf, non? Peut-être mon ulti était un peu bizarre, mais Ouais, peut-être mon ulti était un peu bizarre, mais en vrai, merci à toi, Euphorio. Euphorio, il est bourré, frère. Quand il est bourré, il offre 1 milliard de subs. Garde ton argent, Euphorio. Là, j'ai l'impression d'être un gars qui abuse de la générosité. Le gars, il est rond comme un... rond comme une cul de pelle. Je sais même plus c'est quoi l'expression. Le gars, il est rond. Ok. Bon, pour l'instant, ma game de Rel, rond comme une queue de pelle. Ah oui, c'est ça. L'ulti sur le... ouais, l'ulti était pas fou. On met tout sur Ramus. Oh, c'est greedy ça. Ouais. Essayez d'escape un Ziggs. J'ai flashé, j'étais là en mode je suis une merde. Arrête de taper Ramus par pitié. Ok, bien joué. Bon, en vrai, on build full tanky non avec Rel. C'est quoi mes ratios? C'est des ratios AP? Est-ce que ça vaut le coup de faire un item AP en vrai? Attends, il faut que j'aise mon E parce que c'est le seul Rel gagne 50 move speed while mounted. Ah ouais, du coup, il faut que je reste en mounted pour aller plus vite. Ok. Active full tilt. Ouais. Ça a des ratios AP quoi. En vrai, ma Rel, ça va, non? Pour quelqu'un qui a que 3 games sur Rel.
far, let anyone in. Oh merde. Ok, on reset. En vrai, on a juste à les bot et finir la game. Ok, bon. Ouais, à part les ultis un peu hasardeux. Ouais, bah mon ulti, j'arrive pas trop à comprendre en vrai. J'ai l'impression que c'est une shockwave d'Orianna, mais vu que j'ai jamais joué à Orianna, bah. Hey. Ah, par contre, c'est vide, hein. Le clear. Tu passes de Shyvana. Je passe de Shyvana AP à un réel frère. Ouais, on peut nash, mais bon. Ouais, il faut que je m'entraîne sur mes ultis. Il faut vraiment que je comprenne comment ça marche. Je suis pas encore très doué sur mes ultis, mais bon. Ça, ça avance pas, hein. Merci à toi, Kester. Oui, c'est vrai. Attends, mais ma team fight sur moi. Ok. Ouais, j'arrive avec les minions, mais je suis un peu long, frère. Quoi? Ah. Allez les mignons. Bon.
Oula, 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 je suis pas sûr de ça. Allez les minions, finissez-moi les nib. C'est quoi cette game là? Je sais pas où je suis, frère. J'ai pas de dégâts, frère. Y'a un manque de dégâts, hein, au moins. Non, attends. Ah, les minions. Oh là là. Cette game de zinzin, frère. Ah, j'ai pas de dégâts, ça me frustre, hein, par contre. On a pas envie de la gagner, la game. Parce que je pense que si on fait un 5v5, chill, on gagne la game instant, mais... C'est quoi comme item, là? Je pense que je vais faire ça, en vrai. Ça va me faire un peu de dégâts, en vrai. Parce que là, j'avoue que j'ai pas de dégâts. Ça me tilt. Attends, est-ce que je peux passer à travers? Ah ouais, c'est facile en plus. En vrai, je vois pas trop comment ils peuvent nous tomber, hein. Bon. En vrai, avec Rell, j'ai tanké, hein, mais... En fait, c'est ça qui est un peu tiltant avec Rell, c'est que tu manques un peu de dégâts et tu sais, tu manques. Si t'as pas de bon mate, ta game elle est foutue quoi. Parce que là, je pense qu'il y a des fois, j'ai donné des occasions à mon mid et mon mid il s'est chié dessus littéralement et bon. C'était un peu chiant.